L'eau courante n'est plus potable aux alentours de la centrale nucléaire japonaise Fukushima Daiichi. Dans un rayon de 30 km, les autorités recommandent en outre de ne pas consommer certains produits comme les épinards et le lait. Sur le site, les secouristes ont rétabli l'électricité dans les réacteurs numéro 5 et 6, les moins endommagés. Le courant avait déjà été rétabli hier dans le réacteur numéro 2, mais il faudra quelques jours et plusieurs vérifications avant de remettre les pompes en route. De leur côté, les sinistrés sont testés. Cette assistante maternelle de 21 ans est soulagée de ne pas être contaminée. Elle avoue s'être inquiétée plus pour les enfants dont elle s'occupait que pour elle-même. En Chine et plus précisément à Hong Kong, des centaines de manifestants se sont réunis pour soutenir les sinistrés japonais et protester contre les projets nucléaires de Pékin dans la région. 知道發生什麼事